première transhumance a commencé en 1995, première transhumance à Saint-Paul, pour garder l'esprit un peu de la vie d'autrefois, où les troupeaux montaient et dans un cadre qui restait très naturel, qui a très très peu changé au cours des siècles. Un peu plus de végétation, les vieilles photos que l'on a montrent que l'environnement était un peu plus en prairie très en pente, mais on essaye de conserver et puis de remettre un peu en mémoire tout ce qui se faisait autrefois pour garder un peu nos traditions, notre folklore et tout ce qui se faisait, la vie de la campagne. On veut garder l'esprit familial, pastoral de la région. Déjà pour faire la transhumance, surtout quand il y a un monde comme ça. Donc j'ai peur un peu chaque année, moi, par rapport à ça. Du moment qu'on prend des bêtes à l'esquive, c'est déjà beaucoup plus difficile, déjà pour les démarrer, et après pour faire le sang. Alors vous êtes éleveur? Éleveur sélectionneur, à Saint-Monnet-de-Salère, lieu dit Lacamp. Oui, je suis éleveur depuis 1992.
sur une structure de 146 hectares, je suis tout seul, et 90 mètres. Et tout en sélection. Et nous, la grosse partie de notre troupeau reste à la maison, les 80 mères, les 80-85 mères. Et c'est rien que les jeunes, donc des génisses de 2 ans, qui montent en estive. Sur Saint-Paul, on a 22 hectares d'estive. Là, c'est des génisses, donc il y a une vingtaine de chez nous. Et une vingtaine qu'on prend en estive des voisins. Et reste là pendant 7 mois. La ferme, le siège de l'exploitation se trouve à Plot, c'est à 35 km d'ici. Je suis en grec avec mon fils et on a 90 vaches mères en salaire race pure, plus 40 Montméliard qu'on fait le lait, compté. Et après on a 90 génisses entre Montméliard et salaire. Et on monte 35 à la montagne tous les étés ici, en montagne, ici, sur Saint-Paul de Salaire. C'est une montagne que mon père avait achetée, j'avais 15 ans quand j'avais acheté le montagne. Et c'est moi qui suis venu, j'y ai passé 9 étés, parce que j'y ai fabriqué le fromage pendant 9 ans. Vous aviez un bureau par ici? Oui. Et il y est toujours. C'est une ancienne ferme, c'était une ferme dans le temps, quoi. Une ancienne ferme, et on y fabriquait. Et on va de la route en descendant, avant d'arriver à Saint-Paul, un peu plus là. Voilà, à l'époque, la salle, il y avait le coin qu'on faisait cuisine pour manger, quand on était là pour faire le fromage, et on faisait le fromage là, à l'avant. Après, la cave, elle était ici, mais ça a été, on l'a transformée, quoi. Sinon, la cave était ici, derrière. Et là, à l'époque, c'était la cave, quoi. Maintenant, vous voyez, il ne reste plus grand-chose de la cave. Encore, ce côté, ça n'a pas été touché, quoi. Alors, il y a encore, on voit les murs, quoi, mais sinon, il y a eu du béton depuis, c'était sur la terre, quoi, normalement, la cave. Et tout ça a été aménagé comme on fait plus le fromage. Voilà. La première année, je suis monté ici, j'avais 16 ans, mais jusqu'à 25 ans, je passais tous les étés ici, quoi, faire le fromage. Seul? Oui, seul, ou avec un pâtre pour m'aider à traire, quoi, mais sinon, j'ai dit oui. Voilà. Il y avait combien de vaches à cette époque? J'en traillais 37. Au départ à la main, et après à la fin j'avais une machine à traire, sinon au départ je traillais à la main, ouais. Et là il y avait des vaches, mais il y avait des veaux aussi? Oui, chaque vache avait son veau, sauf qu'ils étaient à part, parce qu'on en traillait, les veaux étaient à part, et on traillait au parc après dehors, et chaque veau était attaché à la patte, à la jambe de la vache, pour traire. Parce qu'à la salaire, si elle n'a pas son veau, elle ne donne pas le lait. Alors il fallait que le veau passe en premier, il mouillait les tétines, après on attachait le veau et après on pouvait traire. Et après lui, il repassait pour ramasser ce qui restait. C'était trois logeurs, il y avait des cochons qui buvaient le petit lait, le sérum, quand on faisait le fromage, quoi. Et les cochons, ils étaient là tout l'été aussi. Et là? Et là, c'était pour rentrer les veaux. L'été, parce que les veaux, ils n'étaient pas avec les vaches comme on triait, quoi. Alors ils rentraient, les veaux, on rentrait les veaux là et dans l'autre bas, dans le grange qui est en bas aussi. Là-haut, c'était l'ancien four à pain. En haut qu'on voit, la bâtisse qu'on voit, les pierres, là, c'était un four à pain. Dans le temps, ici, ils faisaient le pain sur place, quoi. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on est venu pour la transhumance de Martel, dans le nord du Lot. Voilà. Et on n'est pas déçus, il fait beau, c'est très bien. Ah ben, c'est les traditions et puis les animaux. Vous voulez venir à la transhumance, alors on attendait qu'il fasse une belle journée et qu'on soit disponible. Vous êtes venu voir des vaches? Eh oui. Effectivement, oui. On en a vu beaucoup là. Vous étiez déjà venu? Non. Non, première fois. Hein. On vient de pas de loin, on vient de Rion et ce montagne. Excusez-moi, mais les enfants sont sur la calèche. Hop. Ouais. Bonne journée. Elle est feignasse. Vous voulez pas l'abricot? Non, pardon. Ça, c'est des pruneaux. Des pruneaux. Allez, bonne balade. À ce soir. C'était génial. Qu'est-ce que tu aimes bien? Les vaches et l'air de la montagne. Oui, on a passé la nuit ici, on est très bien. Il a super plu et là, on doit redescendre pour manger en bas en plus.
Vous êtes froide ? Oui. C'était bon ? Très bon. Très 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 bon. Tout était très bon. Ouais. C'est vrai, oui. Bon, bah maintenant c'est le meilleur moment de la journée parce que on remballe. Et après trois jours de forte activité avec la pastourelle la veille et la transhumance aujourd'hui, on commence à saturer. Alors maintenant on va pouvoir se reposer un peu, quand tout va être rangé, on sera tranquille et on va respirer. Vous pouvez voir qu'on a quand même pas mal de bénévoles, hein, des habitants de Saint-Paul. Même s'ils ne sont pas nombreux, bah, ils se motivent. Et on arrive à faire quelque chose. Aujourd'hui, on a eu plus de 1000 personnes. On a fait 600 repas. C'est très bien passé malgré que le temps nous a joué des tours, nous a emporté les chapiteaux, etc. Bon, eh ben, on y arrive quand même, on se débrouille. Et puis, c'est comme ça que ça marche.